Je m'appelle Julie Deschamps, j'ai 21 ans et je suis étudiante dans la section littéraire en langues anciennes. Je m'appelle Norelle Cajal, j'ai 22 ans, je suis étudiante en première dans la section français langue étrangère. Donc il y a trois sections dans la section littéraire en enseignement section 3. Il y a les français langue étrangère, il y a les français langues anciennes et les philosophies citoyenneté. En français langue étrangère, vous apprenez à des personnes à parler français alors que ces personnes ne parlent pas le français. C'est ça. En EPC, ce sont plutôt des philosophes, ils apprennent un petit peu plus la philosophie, la citoyenneté, etc. Et en langue ancienne, on a des cours de latin et de culture antique. Moi, j'ai choisi français langue étrangère parce que j'ai pour projet de partir vivre à l'étranger. Je me dis que c'est ce qui combine le mieux le fait de pouvoir enseigner, toujours avoir un métier, peu importe l'endroit où je me trouve, et enseigner aussi le français, c'est un petit plus. Et toi ? Moi, perso, c'est plus parce que le côté enseignement, c'est un métier où on est toujours en contact avec des humains, et c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur d'évoluer dans une future profession dans laquelle je suis très en contact avec d'autres personnes, et je pense que c'est ce qui me permet le plus de m'épanouir et d'évoluer. Et pourquoi le français ? C'est parce que vraiment, c'est la matière qui m'intéresse le plus, c'est vraiment une matière dans laquelle je me sens à l'aise et avec laquelle j'ai vraiment envie de grandir et que j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai choisi Condorcet parce qu'il y avait qu'ici, dans la région, où on nous enseignait les langues anciennes, et les langues anciennes me tenaient à cœur aussi puisque j'aime beaucoup la rigueur et l'esprit de synthèse du latin, ainsi que la culture et la civilisation latine. Ah ben moi, ce n'est pas ma première dans le supérieur et j'ai fait mon autre bachelier à Condorcet aussi. Je sais que les profs sont super sympas. Dès qu'on a besoin d'aide, ils sont là, ils répondent présents. Même niveau administratif, ben, on est super encadré, entouré. Et oui, dès qu'il y a un petit pépin, ben, tout le monde est là et on est très très vite sorti du pétrin. Moi, je dirais mouvement, parce qu'on est souvent dehors, on nous apprend en classe à ne pas être statique, ça c'est vraiment si je vais au sens étroit, mais sinon en règle générale à être curieux et ouvert aux autres pratiques, aux cultures extérieures, enfin vraiment ouvert vers le reste du monde et de la culture, donc mouvement. Moi je dirais fun, parce qu'on nous encourage toujours à être plus créatif, à ne pas avoir peur d'oser faire quelque chose un peu hors du commun. Moi, je pense déjà qu'on est une section particulièrement cosy, qui accueille bien les premières années. Enfin, nous, en tout cas, on s'est sentis bien accueillis. On est très soudés entre nous dans la classe. Ça nous tient vraiment à cœur qu'il n'y ait aucun conflit. Donc, on fait toujours beaucoup attention les uns aux autres. Les professeurs sont là pour ça aussi. Et donc, je leur dirais de venir avec nous parce qu'on est vraiment bien, comme une petite famille, tous ensemble. Bah, finalement, évoluer et grandir ensemble. Donc, c'est vraiment une très, très chouette ambiance de travail. Puisqu'on sait travailler quand il faut travailler, mais on a vraiment un bel esprit de groupe et une belle communion quand on a besoin d'être soutenu aussi. Puis, qu'en essayant qu'on sait, hein. Donc, pourquoi pas se lancer ?